Je suis allée faire des courses et je suis tombée sur ce t-shirt qui dit Alice au pays des merveilles. Et j'ai pas hésité, je l'ai tout de suite pris. Pourquoi? Parce que nous allons continuer notre petite aventure également dans notre petit monde merveilleux de la beauté. Oui, nous sommes des petites Alice, n'est-ce pas? Et même ça me rappelle une chose, c'est que nous n'avons pas encore trouvé le nom pour notre reality show. Aidez-moi, je vous en prie, parce que je sais même pas quel nom donner à notre reality show. J'ai pensé à One Face, One Beauty, c'est-à-dire une face, une beauté, ou alors My Beauty, My Beauty, what? Ou alors My Beauty is Beautiful, c'est-à-dire ma beauté est belle. Je sais pas si ça a un sens, mais bon, aidez-moi. Je suis à court d'idées, je ne sais pas quoi penser. Aidez-moi à trouver un nom pour ces shows. Alors, je vous explique un peu en quoi ça consiste pour que vous ayez un peu une idée, quoi. Le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que des candidats vont soumettre leur candidature. Et seront sélectionnés sur des critères que mes critères, voilà. Donc, ils seront sélectionnés. Et ceux qui seront sélectionnés, je vous montrerai un peu leur départ, c'est-à-dire comment ils sont au départ, quel est leur problème, quel type de peau ils ont, et quelle est la solution que je leur propose, c'est-à-dire la ligne de produits sur lesquels je vais les mettre et qu'est-ce qu'ils vont utiliser, etc., etc. Et ces candidats seront suivis comme ça sur 6 mois avec des reviews tout le temps pour que nous tous on voit l'évolution de leur cas. Si ça s'améliore, si ça ne change pas ou si ça s'aggrave, je ne sais pas. Donc on va essayer de travailler ensemble. Et voilà, les candidats voilà, peuvent soumettre leur candidat. Donc, si vous êtes intéressé de suivre cette aventure avec nous ou bien de participer à l'aventure, abonnez-vous et surtout, faites-moi savoir déjà. Si vous voulez être candidat, faites-moi savoir. Vous pouvez m'envoyer un message par WhatsApp. Vous me dites que vous voulez être candidat et vous me donnez votre adresse email. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, je vous enverrai tout de même le fichier par WhatsApp, si c'est possible. Et le fichier, quand il sera prêt, je soumettrai à tous les candidats qui auront postulé, qui voudront bien participer. Et je mettrai également en ligne dans mon blog, le blog que je rappelle, qui s'appelle www.rickyatwhiteblogspot.com. Et vous pourrez également à ce moment-là soumettre votre candidature également en ligne directement. L'aventure, rappelez-vous, l'aventure va commencer le 1er mai 2018. Alors, c'est déjà un peu la course contre la montre parce que il y aura beaucoup de questions à répondre. Oui, oui, il y aura beaucoup de questions à répondre parce que là, nous parlons de la peau, nous parlons de suivre des gens, pour l'utilisation de leurs produits. Nous parlons également de choisir des produits pour les personnes. Donc, il faut vraiment, vraiment que je connaisse ce que vous avez, qui vous êtes exactement en termes de beauté, bien sûr. Votre vie privée ne m'intéresse pas, non, pas du tout. Ceci, c'est pour encourager les gens à donner des feedbacks, à dire j'ai utilisé ça, ça a marché, j'ai utilisé ça, ça n'a pas marché. Et également à ouvrir les yeux des gens sur ce qui marche pas, ce qui est bien à faire, ce qui n'est pas bien à faire, etc. Donc, je pense que tout le monde trouvera un peu son compte. Et moi, je serais toute contente parce que j'aurais au moins résolu ce petit problème qui me tracasse depuis. Parce que je vous ai expliqué mon plus gros problème dans ce travail que je fais. C'est que je n'ai pas de feedback. Beaucoup de personnes m'écrivent et me demandent « Qu'est-ce que vos clients vous disent par rapport à tel produit ?» Je leur dis toujours « Moi, je ne sais pas. On ne me dit pas. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas. Si on ne me dit rien, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas vous inventer des réponses. » Et c'est malheureux parce que vous voulez être aidé, mais vous ne voulez pas, comment dire, expliquer ce qui ne va pas ou ce qui ne marche pas. Je prends des cas comme ça, je prends un cas banal par exemple. Quand je donne des produits ou des conseils à quelqu'un, je lui vends des produits, la personne va acheter le produit et commence à utiliser. Déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que je ne vois pas les gens quand je conseille. Pas toujours. Les gens, parfois, ils ne veulent pas envoyer leurs photos. Ce que je peux comprendre, c'est leur intimité. Ils ne veulent pas. Mais on veut que tu conseilles. Par quel miracle, je ne sais pas. Alors, même que je suis un génie quand même, j'ai réussi parfois à faire imaginer un peu mon cerveau. C'est trop de boulot quand même. Et malgré tout, après, vous ne me donnez pas de feedback. But anyway. Donc, parfois, j'essaye de travailler mon cerveau pour comprendre c'est quoi le problème de la personne. Et quand vous soumettez
Quand vous lui dites, ok, voilà ce que je te propose, tu vas utiliser ça, comme ça, comme ça, comme ça, la personne te dit, ok. Et la personne commence à faire l'utilisation. Peut-être que ça ne marche pas exactement dans le sens où tu veux. Et la personne se teste simplement, elle ne dit rien et tout, ne te ramène même pas l'information. Non, ça ne va pas marcher. Parfois, je vais vers les gens pour leur demander et comment ça se passe déjà. Et c'est là que j'apprends que non, ceci a fait comme ça ou bien ceci n'a pas marché à ce niveau. Et je lui dis parfois, non, écoute, essaye de faire plutôt comme ça ou comme ça. Et du coup, la personne dit, peut-être après une semaine ou deux semaines, ah, mais si, ça marche. Mais si vous... Donc, c'est moi qui dois venir courir après pour vous demander si ça marche ou pas. Revenez vers moi pour me dire si ça marche ou pas, parce que c'est important. D'accord? C'est très, très important. Et donc, cette aventure que nous allons faire, c'est un peu une manière d'encourager des gens qui n'ont pas l'habitude de s'ouvrir, d'expliquer ce qui leur arrive. Parce que quand vous n'expliquez pas, quand vous ne vous ouvrez pas, vous vous faites toujours avoir. Vous allez toujours vous faire avoir. Donc, voilà. J'espère que vous serez très intéressés. Commencez déjà à me faire savoir si vous êtes intéressés. Comme ça, je vais noter vos adresses. Et voilà, le moment venu, je vous enverrai les fichiers pour remplir votre candidature. D'accord? Allez, à la prochaine. On va continuer, hein, parce que je vais vous expliquer tout ce qui va se faire. N'oubliez surtout pas les cadeaux qu'il y a à recevoir à la fin. 100$ cash, un paquet de produits de beauté, également quoi, 50% de réduction tout le long de l'aventure. Également pour le gagnant de la fin, ouh, un parfum de marque d'une valeur de presque 130$. Et également quoi, une réduction de 50% sur toute l'année. Et aussi tout le temps de l'aventure, oui, de l'aventure, vous avez 3 à 15% pour deux personnes de votre choix. Ouh, là, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et peut-être d'autres cadeaux que je prie. Donc, voilà. Essayez d'imaginer que vous êtes, par exemple, le super héros gagnant de la fin. Vous vous retrouvez avec quoi? Tous ces paquets. Voilà. Et en plus, quoi? En bonus. Ouh, une belle peau très rayonnante. Alors, moi-même, je participerai. Vous pensez que quoi? Donc, je vous invite à participer. Honnêtement, je vous invite à participer parce que je pense que ce sera très, très intéressant. Surtout que ce sera pour la fin d'année. Vous aimez bien fêter étant toute nickel, là, n'est-ce pas? Alors, c'est pour vous. Sachez que ça va commencer le 1er mai 2018 et ça se terminera le 1er décembre 2018. Allez, à la prochaine!